aujourd'hui avec Nasdas et toute sa team. Yo, la HNT. Aujourd'hui, Nasdas, la team Nasdas et tout le quartier à Nasdas. Ouais. On est au quartier Saint-Jacques. Hein, un putain de concept dans la chaîne YouTube des cryptos. Là, il y a une moto. Là, il y a des joueurs de haut niveau. Et le concept va être très simple. Ils vont tous poser leurs mains. Le dernier qui enlève sa main, il gagne cette moto. Ouais. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. C'est parti. Le dernier qui lâche sa main remporte cette magnifique moto. Bon, moi, si je gagne la moto, je vais la vendre. Je connais, il faut qu'on fasse un peu de tout. Écoutez, moi, si je gagne la moto, c'est simple, un I direct. Moi, je la gagne, on la partage avec mon frère, c'est tout. Moi, si je la gagne, je fais courser les comptes derrière moi. Moi, les gars, si je gagne la moto, je la revends directement. Je prends les sous dans la poche, je les mets sur le bon coin et on prend des sous. Moi aussi, j'ai gagné la moto aujourd'hui. J'ai rassé 7 heures du matin ici. Pour éviter toute tricherie, on a acheté une caméra 360 degrés qui va avoir aucune main et décoller pendant toute la vidéo. Si vous décollez une seule main, ce sera directement vu à la caméra et vous serez éliminé. Ah les gars, on vérifie bien si ça triche pas les gars, parce qu'à tout moment il y en a qui retire la main, on le voit pas et il nous arnaque les gars, donc ça faut bien vérifier. On veut déjà plus? Je veux pas. Tu veux partir? Non. Si tu veux abandonner, tu peux abandonner dès maintenant. Les gars, il veut rester hein. Un grec, un bon grec, il sort direct. Je suis comme ça, j'ai le droit de faire ça oui ou non? Non. Tu dois la garder ta main entière. C'est-à-dire tu peux mettre un doigt. Juste faut pas que tu la retires entièrement ta main. Faut que tu gardes ta main tout le temps. Comme au moins ça. Pas ouais. Comme ça. Les gars, c'est chaud les gars. Pour le moment, ça fait dans les 10 premières minutes de vidéo. Pour le moment tout le monde tient. Et on va voir les gars si après ils vont lâcher ou pas. Ils veulent tous gagner la moto. 300€ les gars, il enlève sa main maintenant, c'est vrai? Ouais. 300€ je l'enlève maintenant. 10. Ça commence à parler argent les gars. Pour le moment les gars on propose pas d'argent. Peut-être par la suite on va proposer les gars. Là les gars j'ai ramené du scotch et un participant m'a dit qu'il voulait faire quelque chose. Tu veux faire quoi? T'as pas le droit de te scotcher la main frérot, c'est interdit. Le scotch ne sert pas à ça. Donc t'as pas le droit sinon c'est trop simple. Les gars ils ont pas le droit, c'est interdit ça. Il a enlevé sa main? Ouais un peu. Ah pas du tout les gars, vous allez voir à la barre. J'ai le droit de faire ça. Ma main tient encore. J'ai le droit les gars, ça tient. Moi ça passe. Ça passe les gars. Ça passe en vrai, c'est limite mais ça passe. Tant qu'il y a les doigts ça passe. Voilà. S'il y a plus les doigts, sa main elle est enlevée, ça passe plus les gars. Le premier qui va lâcher je crois que c'est Kamel. Pour lui le premier participant qui va lâcher c'est Kamel. Franchement peut-être que t'as raison, on va voir ça par la suite. Interdit de boire ni de manger les gars. Ah on est là, toujours on est là. Là les gars juste. On a préparé un petit truc, ça va être la première proposition qu'on va leur faire. À l'intérieur les gars, il y a quelque chose de caché. On va le proposer à un participant. Et peut-être que c'est quelque chose de bien, ou peut-être que c'est quelque chose de nul. Là on shot parce qu'ils sont juste à côté, en train d'attendre avec la motocross. Je pense que c'est qui va accepter cette proposition frérot. Un dégueulasse, grâce au Mayel, j'en suis sûr. Les gars c'est parti, on va aller voir qui va accepter la première proposition de la game les gars, c'est parti. Première proposition, à l'intérieur, peut-être qu'il y a un iPhone. Ou peut-être qu'il n'y a pas d'iPhone. Qui est prêt à prendre le risque? Lâcher sa main. Oh. Ah ben ouvre. Un iPhone. Regarde, t'es content ou pas? Ouvre, tu vas voir la tête de la mer, le dernier des derniers mon poteau. Attends, t'as quoi? Une pierre. Le premier participant qui a été éliminé, c'est toi frérot. T'as choisi l'iPhone. Et dans l'iPhone, il y avait quoi? Malheureusement, il y avait une pierre les gars dans l'iPhone. Donc les gars, c'est le premier éliminé sur les 7 participants. Éliminé frérot. Tu peux rentrer toi malheureusement. Grâce, il se fait chier aujourd'hui. C'est le premier ennemi de la vidéo, on va coacher le challenge, c'est parti. Vu qu'ils sont frais, il s'est taillé. Ouais. T'es obligé de la gagner mon pote. Il reste que lui, frère. Dire toi, t'es l'honneur de la famille. T'es obligé de la gagner. Ton frère, compte sur toi frère. Là les gars on passe à la deuxième proposition. La proposition les gars de la PlayStation 5. Donc comme pour le cadeau d'avant ça peut être vrai comme faux. Qui veut quitter? Tu pars? Qui va lâcher? Si peu, y'a rien dedans les gars. Autant y'a que des livres. Ouais les gars c'est parti. Mini crypto à quitter pour la play les gars. Donc t'as plus la crosse mais t'as la play. Là maintenant c'est parti, des balles pour voir est-ce qu'il y a une play ou pas. S'il y a une play, t'es bien. S'il y a rien, franchement force à toi. Alors, y'a une play ou pas? Y'a les câbles, frère. Déjà, y'a les câbles, mon frère. Ouvre, mon frère, y'a quoi? Oh! Les gars! Dedans, les gars! Yes! Yes! Y'a bien la play dedans, les gars! Il a accepté le challenge et y'a vraiment une PlayStation 5 dedans. Yes! La câble, les gars! La câble, Play 5, mon frère! Au revoir!
PlayStation. Mini Crypto est éliminé, mais il a gagné la PlayStation 5. Donc franchement, t'es bien. J'ai assuré la vidéo, frère. Au moins, t'as vu, j'ai pas le démon à être parti pour un cross, mais au moins, je repars avec une Play 5. Et c'est pas fait chier. T'as de la chance, mon pote. T'as de la chance. Juste derrière moi, les gars, il reste que 4 participants. Mini Crypto est sorti. Un des deux frères jumeaux est sorti. Là, les gars, pour le moment, 4 participants, mais c'est vraiment long, 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 les gars. Oui. On attend, nous-mêmes, on commence à fatiguer. Il est actuellement, les gars, 22h43. C'est presque 1h30 qui tiennent. Et là, pour le moment, les gars, c'est vraiment compliqué. On va voir un petit peu qui c'est qui va lâcher sa main dans les scènes suivantes. C'est parti. C'est un bâtard, il a gagné la Play 5. Je suis déçu. Et là, mon frère, pourquoi t'as pas de jouille? Je savais pas, je croyais que c'était une douille. Là, les gars, on rajoute une petite difficulté. On va rajouter des bandeaux pour qu'ils aient tous les yeux bandés. C'est parti, les gars, bandez-leur les yeux. Toute la prochaine heure va se passer les yeux bandés. Ça veut dire que les gars ils verront vraiment plus rien. Quoi qu'il se passe, les gars ils verront pas tout ce qui peut arriver. Les gars ils ne verront pas. Ah, je suis noir. Ouais, il y a quelqu'un qui va mourir. Ah, je vais t'enculer. C'était pas moi, mon frère. Ah, je vais t'enculer, Cappuccino. Ils sont les yeux bandés. Let's go, c'est parti. Il faut toujours sauter. Arrêtez. Mais c'est lui qui me touche. Touche à moi. Ils ont pas lâché. Ils ont gardé leurs mains, les gars, c'est trop. Là, les gars, ils ont vraiment pas lâché. On va quand même vérifier les caméras pour voir si oui ou non il y a quelqu'un qui a lâché, les gars. Ça va être chaud, mais on va voir. Ça va, on est un minimum gentil. Là derrière moi, il y a 4 bouteilles d'eau. C'est à quoi vont servir ces bouteilles d'eau? Chaque participant doit manger du piment entillé et souffrir, les gars, sans prendre de l'eau. Si vous voulez prendre de l'eau, il faut enlever votre main et aller chercher la bouteille qui se trouve juste ici. Quand même, on a du cœur, tu vois. On leur propose de l'eau. On mange. Kamel. Oulalalala. Alors, mange vite, Kamel. Non. T'es pas bien? Papa Djibril. Attends. Les gars, il y en a un qui est parti, un éliminé. Il a pris le piment, il a pas pu résister, donc il est éliminé. Là, il vient de partir prendre de l'eau, les gars. Il a quitté l'aventure. De l'eau, s'il vous plaît, de l'eau. Non, je continue. Son cul va s'arracher. Ce on lève, on fait un malaise. Attends. Les gars, là, on leur donne de l'eau parce qu'il y en a un qui est éliminé. Du coup, faut leur donner de l'eau, les gars. Ouais, éliminé, ça y est, c'est bon. On leur donne de l'eau, les gars. C'était dur? Oh là. Hey, vous avez tous la balle, yo. Aïe. Voilà, j'ai mal au ventre. Là, moi, les Antillais, t'as vu, c'est ma famille, t'es ma et tout, c'est. Je crois là. Kamel, ça va comment? Ça va? Ouais, tu lâches pas? Ah, lâche pas. Ouais. Alors, ce qu'il me disait, je dis, mais je sais pas comment on va faire pour rentrer à la maison et tout, s'il y a de l'essence et tout. Je dis, non, mais t'inquiète, il y a le camion, on pourra me ramener à la maison. Ça veut dire, même lui, non, il sait que je vais gagner. T'as capté ou pas le délire? Toi-même, tu sais que je vais gagner. Imagine, tu te fais hagar par le piment et en plus, tu perds après. Là, ça fait mal au cœur, hein. Il est très tard dans la nuit, ça fait 4 heures qu'ils tiennent, ils ont pas lâché. On leur a proposé un iPhone 14, il y avait une pierre à l'intérieur. Mais là, cette fois-ci, il y a vraiment un iPhone. Il est fermé sous booster. C'est obligé, d'accepter. Un iPhone 14. Tout à l'heure, c'était un faux. Maintenant, c'est à vos risques et périls. Kamel, Djibril, Fala. Pour toi, il n'y a pas d'iPhone. Kamel, lâche ta main et tu gagnes peut-être cet iPhone. Djibril. Certain. Kamel, ils sont fous. Kamel, ils vont vraiment créer la moto. Voilà, félicitations. iPhone 14, mon gars. Là, les gars, ils viennent gagner un iPhone. Donc, il est éliminé. Donc, les gars, il reste que 2 participants. C'est la finale, les gars, c'est vraiment chaud. Il reste Farah et le petit Kamel. C'est parti. La personne qui est malheureusement éliminée, les gars, c'est Djibril. Mais tu ressors pas les mêmes vite, frérot. Je ressors avec l'iPhone 14. iPhone 14, les gars. Je préfère l'iPhone que la le cross. Ouais. Un iPhone 14, les gars, tout neuf, les gars. Tout neuf. C'est une dinguerie, frère. Sous blister encore, les gars. Merci, Crypto. C'est magnifique. Merci beaucoup. À la prochaine. Un bon mon sang. Les gars, le challenge continue. Chut, regarde. Il dort. Je vais ramener un matelas chez moi. Kamel et Farah, ils sont trop déterminés à tenir. Moi, je vais rentrer chez moi dormir. Je sais que ça va durer jusqu'à je ne sais quelle heure. En tout cas, merci à la chaîne Crypto. J'annonce. Bientôt, ce sera les meilleurs youtubeurs français. Des gros bisous. Félicitations aux futurs vainqueurs. Là, les gars, on n'en peut plus. Ça fait presque toute la nuit qu'ils ont réussi à tenir. Farah et Kamel, les deux derniers participants pour gagner cette moto. Ils sont vraiment très très résistants. Donc on va faire quelque chose. Il y a une boule noire, une boule verte. Celui qui tire la boule verte gagne la moto cross qu'il y a juste ici.
celui-là qui tire la boule noire perd et repart sans rien du tout. Qui veut commencer à tirer? C'est parti, on met les boules dans le sac et ils vont tirer chacun au hasard. On va voir qui c'est qui va enfin remporter cette moto après tant d'attente. On mélange bien, tire au hasard. À la chance. Essaye de fermer ta main avant de la sortir si tu peux. Kamel, c'est parti, regarde pas, ferme bien ta main. Vous êtes prêts? C'est parti, ils ont chacun tiré la boule. Tendez votre bras, tournez. Lève ta main. Et ouvrez. La grande gagnante de la motocross, c'est Farah, les gars, elle vient de gagner la motocross. Elle a enfin réussi à gagner, elle repart entièrement avec la motocross. C'est l'émotion, là, t'as une motocross, tu viens de gagner une motocross en une soirée. C'est joie, une boule, elle a tiré la boule verte et elle a gagné entièrement la moto. Elle va pouvoir profiter avec sa moto, faire des wheelies, cabrer en moto, faire tout ce que tu veux. Régale-toi sur ta moto. Merci. Pas de soucis. Farah a gagné son cross. C'est parti, régale-toi avec. Si vous voulez voir comment j'ai rencontré Nasdaq et sa team pour la première fois, cliquez sur la vidéo en haut à droite où j'essaye de faire France-Espagne en motocross.